S'il y a bien une chose que tous les couples redoutent, c'est l'infidélité. En effet, tromper ou être trompé brise l'équilibre du couple. Or, dans cette situation, nous oublions parfois qu'il y a deux coupables. L'astrologie nous permet d'en savoir plus sur le destin et sur les traits de la personnalité. Bien loin de nous indiquer uniquement les qualités, l'étude des astres nous dévoile les pires défauts des signes du zodiaque. D'ailleurs, ces quatre signes sont les voleurs de partenaires. Il faut s'en méfier si l'on est en couple. Parmi eux, vous êtes susceptible de tomber sur l'un de ces quatre signes du zodiaque car ce sont des voleurs de partenaires. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti! Bélier, encore appelé le chasseur. Parmi les personnes auxquelles vous devez faire attention, on retrouve les natifs du Bélier. Chasseurs dans l'âme, ils n'hésiteront pas à partir à la conquête de leur proie et feront tout ce qu'ils peuvent pour la voir. Leur côté compétitif prend souvent le dessus sur la raison et c'est pourquoi ils mettent volontiers au défi un couple. Par ailleurs, ils sont dotés d'une grande confiance en eux, ce qui peut être déstabilisant. Taureau. Les femmes du signe du Taureau s'illustrent par leur sensualité et leur désir de plaire. D'ailleurs, elles sont déjà à vivoter autour des hommes, peu importe s'il y a une personne dans leur vie ou dans celle de leur prétendant. Ce sont celles qui placent leurs pions discrètement et les déplacent au moment opportun. Ainsi, si vous êtes en couple, méfiez-vous de cette rivale à la lueur calme et sensuelle. Balance. Poussés par le désir des nouveautés et leur curiosité, les natifs de la Balance enchaînent les conquêtes. De plus, ils sont aussi gouvernés par la planète de l'amour, Vénus. Ils sont passionnés et aiment l'amour. Ils ont du mal à blesser les autres, mais surtout à prendre une décision. Il n'est donc pas rare de les voir alterner entre tel ou tel partenaire. Sachez également qu'ils ont un certain ego et ont l'habitude de plaire. Et ils trouvent cela normal. Et enfin, Scorpion. Mystérieuses et charismatiques, les femmes du signe du Scorpion sont généralement vues comme les femmes fatales. Elles attirent tous les regards sur les passages et peuvent être à l'origine de certains problèmes de couple. En effet, on les retrouve souvent dans les histoires d'infidélité. Par ailleurs, lorsqu'elles tombent amoureuses d'un homme, elles n'accordent pas d'importance à sa situation amoureuse. À la fin de cette vidéo, nous pouvons juste dire que les personnes de ces signes du zodiaque ne sont pas obligatoirement en cause dans les problèmes de couple. Selon leurs principes, leurs valeurs et leurs situations amoureuses, elles peuvent se montrer différentes. En matière d'infidélité, tout dépend du comportement de chaque partenaire et de sa capacité à se contrôler. D'ailleurs, pour éviter ce genre de trahison, mieux vaut être clair dès le début de la relation et instaurer des bases solides comme le respect, la confiance, la communication et la complicité. Et vous, chers éclaireurs, que pensez-vous de tout ça? Dites-le nous dans vos commentaires. À plus sur une prochaine vidéo.